Mon salon, je dois faire mes cils parce que cette nuit, je me suis tapé un nouveau délire, c'est arracher un seul œil. Et ce soir, mariage. Et en fait, coupure d'électricité, plus du tout d'électricité. Mes cils dans le hall, comme si on dirait une journée porte ouverte. Oh, il y a qu'à nous que ça arrive, c'est un truc de fou. Et en fait, il n'y a plus du tout d'électricité de partout, partout, partout. Il y en a nulle part. Et il fait une chaleur à crever, je vais mourir. J'ai mis de l'autobronzant, il y a tout qui va couler. Mais bon, bref, c'est pas grave. On se dépêche! Non, je... Funny. Yesterday. Baby, attends. Tapis dans l'ombre. Ni mon heure viendra. Et depuis, je regarde ma montre, mais ça ne change pas, non. On se voit le jour à l'hôtel et je suis pas l'officiel. Baby, je veux plus que ça. Routine que je vous montre pas forcément parce qu'à chaque fois c'est hyper galère de se filmer sous la douche, mais là j'ai vraiment pris le temps parce que le gommage, je pense que c'est ça qui a fait entièrement partie du fait que j'ai vraiment beaucoup perdu de cellulite, et surtout d'un coup là où en fait j'avais demandé à la marque et elle m'avait dit d'alterner Gua Sha et ventouse, donc ça je le fais toujours, vous inquiétez pas, c'est juste que je voulais vous montrer autre chose. Mais en tout cas, le gommage, ça vient activer la circulation sanguine et il y a de la caféine et tout dans celui-là de Cellulite Blue qui est vraiment fait pour éliminer la cellulite, et vous le mettez en raccord avec le gel douche du coup que j'utilise régulièrement. Ben là c'est une nouvelle bouteille parce que j'en ai déjà fini une, et gommage pareil. Donc gommage vous faites à deux fois par semaine, deux trois fois par semaine sur vraiment les zones à travailler. Donc moi ça va être le ventre et surtout bah, sous la fesse. Et franchement le combo de tout avec la crème aussi cryo anti-cellulite que je mets juste après la douche. Déjà je vous explique, quand vous faites le Gua Sha, si vous avez les jambes lourdes, vous faites Gua Sha avec la crème anti-cellulite. Il y a un truc dedans qui vous fait un effet jambes léger qui fait très frais. C'est hyper agréable vraiment. J'ai littéralement 10 minutes pour me préparer pour un mariage, je suis dans la merde. J'ai retrouvé ce fond de teint chez Maybelline que j'avais acheté pour le tester parce que je vois tout le monde qui le teste sur TikTok. Apparemment, il tient 30 heures, c'est le super C, il a plutôt intérêt à tenir. En plus, j'ai pas du tout eu le temps de choisir comment je m'habillais. Genre là, j'ai choisi en 2-2 parce que c'est un mariage où en gros on s'habille en blanc. Déjà, j'ai pas compris, genre tout le monde doit s'habiller en blanc, y compris la mariée. Genre la mariée, du coup, c'est pas une star, c'est une copine à moi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, meuf? T'es une déglingosse. Et genre avec Jou, hier, on lui disait, parce qu'il y avait son entraînement de jeune fille hier, moi j'ai pu faire que l'apéro avec elle parce que je vous ai pas dit sur TikTok, mais j'ai un ulcère à l'estomac, bref. Et on lui disait avec Jou, vu qu'elle était moins, mais t'es folle, genre il est encore temps de changer d'avis, c'est toi la star du mariage, il faut que te mettre en avant. Et elle disait, non, 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 je trouve ça stylé sur les photos d'être en blanc, mais moi je vous ai expliqué à mon mariage, mais carrément le dress code chiffon, je voudrais que tout le monde soit allé et vraiment, ça sera volontaire. Par contre, je me dis que le fond de teint est vraiment trop clair, alors normalement je les prends hyper orange, mais là j'ai mal choisi le truc parce que je viens de mettre mon auto-bronzant. En grosse galère. C'est que qui dit voiture électrique dit recharge. Qui dit recharge dit borne de rechargement que je n'ai pas chez moi. Ça fait littéralement 2 heures qu'on tourne pour en chercher une. 2 heures, vraiment, littéralement 2 heures. On devait avoir une demi-heure de retard. On se retrouve avec 2 heures de retard en fait. Donc là, on a un gentil monsieur qui va s'en aller bientôt, qui nous a dit qu'il nous l'a laissé. Normalement, ça va marcher. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Si vous voulez une électrique, que vous ayez la prise chez vous, parce que sinon sinon vous allez vous mettre en galère en fait. Partir en disait ou bien l'électrique, ça coûte zéro. Alors ça coûte zéro, mais c'est un peu long parce que là on a littéralement mis 3 heures pour aller à Marseille, donc en 3 heures on peut aller.